Check de ça, j'ai une question pour toi. On va commencer l'interview d'une manière très, très intéressante pour les fans qui connaissent le time. Ok. Money, music, sex, drugs. Bah. On va commencer avec money. Yo. Toi. Yeah. Qu'est-ce qui est plus important? Et pour un artiste aussi. On va donner les deux, pour toi et pour un artiste. Comme ça, on va voir si c'est la même chose que tu avais mis pour les deux. Right? Ok. Money or respect? Respect. Explique-nous. Ça sert à quoi d'avoir l'argent si personne ne te respecte? En bout de ligne, tu auras l'argent. Non. Respect, ça définit tout. On veut dire, quand t'es un homme, le respect c'est important. Et en tant qu'artiste maintenant, les artistes qui se disent, je te donne un exemple, tu vas signer avec un label qui va dire quoi faire. You can get the money, but you might not get the respect parce que ce que tu risques de faire ne te donne pas le respect. Alors pour un artiste, la perspective, comment tu vois ça? Et pense aussi, l'artiste est broke, he ain't got no money and he got the record deal qui va le débloquer du block, du hood once for all. Money or respect, talk to them. Ça dépend, ça va dépendre pour de vrai parce que il y en a qui sont broke qui n'ont pas d'opportunités, il y en a qui sont broke mais ils peuvent créer les opportunités de s'en sortir, tu comprends? Fait que ça dépend de ton mode de vie, ton parcours, je sais pas. Moi je dirais respect encore parce que moi le respect pour moi c'est important. Puis tout, moi, tu sais, j'étais broke aussi, puis on le dit, j'ai le respect, mais c'est le cas de moi, quoi, non. Dans la music, mon frère. Comme je t'ai dit, je t'ai donné. J'ai nommé quelques des projets et des vidéos que tu as drop. Oui. Alors, la question pour toi, c'est: what do you have for us right now? Music. Oh. What's coming? Qui même me suivent, volume 1, le 17 octobre 2017. Oh yeah. Wesh. Yeah, avec 17 nouveaux tracks, je veux dire. Mm. So, ça fait différent de mon projet il y a 2 ans. Tout qui est 16, on the warm up, net tape. Je veux dire, sur là aujourd'hui, j'arrive avec qui même me suivent. The warm up. Qui même me suivent. Wesh. Est-ce qu'il y a une transition artistiquement parlant? Si on écoute The Trick différemment, est-ce qu'on va pouvoir remarquer une différence entre les deux projets? Qu'est-ce que tu as amené différent? Ce serait plutôt ça la question. Qu'est-ce que tu as ramené différent pour ce projet? C'est sûr que les fans qui écoutent ma musique depuis back then vont probablement entendre une différence. Moi, je le remarque personnellement en tant qu'artiste. Mm. Je sonne plus trop pareil. Puis, qu'est-ce que j'ai amené de différent? J'ai plus de collaborations. Avant, j'avais pas de collaboration du tout. C'était vraiment moi, Young Dev, You Already Know Today, Fall. Mm-hmm. J'ai link up avec un peu plus d'artistes. Puis, ça a donné un bon projet, honnêtement. Je suis satisfait.